Bonjour et bienvenue pour cette visite en images et en musique de l'EF2M. L'école de formation au métier de la musique de Tourcoing est un lieu d'enseignement dont la formation professionnelle est reconnue, entre autres, par le Conseil Régional, Pôle Emploi, l'ADOM, le FONGECIF, l'AFDAS ou encore la FNEJMA. L'école bénéficie également du soutien de la ville de Tourcoing, du Fonds Social Européen, du Fonds pour la Création Musicale et de la SACEM. Centre musical propice aux échanges, aux rencontres, à la créativité, l'EF2M est ouverte à tout public sans distinction d'âge, d'origine sociale ou de parcours professionnel. Le cursus de l'école permet de vivre sa passion au quotidien, de se produire sur scène, de travailler en studio, de rencontrer des musiciens de haut niveau pour mieux réaliser son projet personnel et trouver les clés de son futur métier. L'EF2M est implanté à Tourcoing, au cœur de la métropole lilloise et de son activité culturelle foisonnante, à un peu plus d'une heure de Paris, de Londres ou de Bruxelles. Située à proximité du centre-ville, elle est très bien desservie par les principaux transports en commun, métro, bus, train, et à 2 minutes des accès autoroutiers. Depuis sa création en 1994, l'EF2M n'a cessé de s'agrandir. Installée dans une ancienne chocolaterie, l'école s'étend aujourd'hui sur environ 400 mètres carrés. Les locaux sur 2 niveaux sont clairs et fonctionnels, on y trouve 10 salles de cours modulables, un studio d'enregistrement intégré à l'école, 4 salles de répétition, 5 box batteries et une salle silencieuse équipée de batteries électroniques. L'école est parfaitement équipée avec un parc d'amplis, guitare et basse, des batteries acoustiques et électroniques, des claviers et pianos numériques, ainsi que du matériel de sonorisation adapté. L'EF2M dispose également d'un matériel spécifique dédié aux concerts. À l'EF2M, les classes d'instruments ne dépassent pas 7 élèves et se déclinent en 2 niveaux, préparatoire et supérieur. 7 classes d'instruments se côtoient dans nos locaux. La batterie, les percussions, la basse, la guitare, les claviers, le saxophone et le chant. L'EF2M est depuis toujours particulièrement attentive aux réalités du métier. Les règles et les codes de la profession se modifient chaque jour, les nouvelles tendances sont donc intégrées régulièrement dans le cursus de l'école, grâce à une équipe d'intervenants tous professionnels en activité, qu'ils soient musiciens ou acteurs socio-économiques du secteur culturel. Les compétences, réflexes professionnels, savoir-faire et savoir-être, acquis tout au long des formations ne fabriquent pas des stars, mais confèrent à chacun une grande confiance, un solide bagage et une aisance égale face à bien des situations. Notre ambition est de former, plus que des instrumentistes, des musiciens performants. Adhérent de la FNEJMA, le F2M permet également de préparer les épreuves du MIMA, certification reconnue par l'État. La scène est certainement le moment le plus exaltant de la vie du musicien. Dévoiler au public le fruit de son travail et la finalité de toute démarche artistique, même si ce n'est pas toujours chose facile. Il faut en effet tenir compte de nombreux facteurs, les lumières, l'espace, le jeu de scène, le volume sonore et bien sûr le track tant redouté. Le jeu live requiert donc des compétences qu'aucun manuel pédagogique ne peut aider à apprendre et se produire sur scène reste la seule véritable solution. C'est pourquoi l'EF2M en a fait un module de cours à part entière. L'école s'est entourée d'un important réseau de lieux de spectacle afin d'organiser de nombreuses prestations tout au long de l'année. Des clubs aux grandes scènes, toutes les situations sont abordées, permettant ainsi à chacun de s'aguerrir rapidement et efficacement. Ce module concert se construit autour de l'élaboration du répertoire, incorporant une grande variété de styles musicaux, du filage du spectacle, de l'analyse des prestations en vidéo et l'intervention d'un scénographe pour conseiller et orienter les stagiaires. Tout cela pour, au final, prendre et donner du plaisir. Oh,
En studio, chaque projet artistique prend sa forme définitive. Mais comme pour la scène, il n'existe pas de recette magique pour apprendre à maîtriser cet environnement si particulier. À l'EF2M, les stagiaires travaillent régulièrement au Feeling Studio qui est intégré dans nos locaux. Grâce à ce super outil, ils répètent, mettent en place, enregistrent, apprennent séance après séance les savoir-faire, réflexes et compétences spécifiques dans des conditions professionnelles. En parallèle, l'EF2M a mis au point un module artistique original à partir des propres compositions des stagiaires. Il aborde et traite de nombreux sujets tels que la structuration, l'équilibre des parties, la mise en forme, l'arrangement, l'orchestration, l'écriture, l'harmonisation des voix et des cuivres, les cohérences instrumentales, harmoniques et mélodiques. Ces compositions sont ensuite enregistrées et gravées en studio. Le CD final permet aux stagiaires d'entamer les démarches pour devenir sociétaires de la SACEM, atteste des compétences acquises en studio, montre leur avancement personnel et surtout leur talent. Don't know how lips hurt. À cause pareil mon cœur est en pays la frère. Le F2M reçoit chaque année de nombreux musiciens prestigieux et de tous styles musicaux. Mais si ses invités sont souvent de véritables stars du métier, l'école attend de beaucoup plus qu'une simple séance de démonstration ou de dédicace et veille à l'impact pédagogique de ces rencontres. Les masterclass sont l'occasion d'aborder les spécificités et particularités techniques et stylistiques de l'invité, mais aussi de s'enrichir de son expérience professionnelle, de sa vision du métier, de l'instrument et de la musique. Mais aucune clinique ne peut remplacer un cours dans sa continuité, surtout sous la forme habituellement répandue. C'est pourquoi le F2M a développé un concept de masterclass enrichi en une journée complète, optimisant ainsi la transmission des savoirs entre l'artiste et les stagiaires. Chaque masterclass se déroule en trois étapes. Un cours d'instrument avec les élèves de la classe concernée, le classique showcase ponctué par une série de questions-réponses avec l'ensemble des élèves, un concert public le soir même à chaque fois que l'emploi du temps de l'artiste le permet. Les stagiaires, en plus d'être spectateurs privilégiés des concerts organisés ensuite par l'école, sont également sollicités pour être acteurs de ces événements, en plateau, en régie et parfois même sur scène.